Cette vidéo a été filmée en secret par une bénévole autrichienne. La scène s'est déroulée dans le camp de Roszke en Hongrie, tout près de la frontière avec la Serbie. Sur les images, on peut voir des policiers procéder à une distribution de nourriture à des migrants, et ce de façon très particulière. Emballés dans du papier, les sandwichs sont passés de la main à la main aux réfugiés se trouvant tout devant, mais à ceux restés derrière, la nourriture est jetée à la volée. Dans la foule chaotique, tous tentent d'attraper le pain en vol ou escaladent les barrières pour attirer l'attention et obtenir un sandwich. L'auteur de la vidéo a qualifié ce traitement d'inhumain et ce n'est pas la première fois que les pratiques de ce camp sont épinglées. Mardi, l'agence de l'ONU pour les réfugiés avait critiqué les conditions très dures à Roszke, dénonçant les mauvais traitements en vigueur. C'est également ici qu'une journaliste hongroise a été filmée donnant des coups de pied aux migrants qui tentaient d'échapper aux forces de l'ordre.